17h15. Début de l'enquête, interrupteur allumé. Allez, on est parti. Donc en fonction, je couperai, j'accélérerai. Je vais découvrir vraiment en même temps que vous. Donc déjà là, je pense qu'il y a une belle prise de vue ici. Je vois même, il me semble, une croix. Vika, c'est déjà super compliqué, chargé. En plus, si je dois remettre ta caméra toutes les 2 minutes, les gens. C'est quoi ce délire? Allez, d'accord, ça doit être en bas. Quelle vue, mais quelle vue! Encore le flash qui se met en route. Alors Vika a un comportement bizarre vers là-haut. Regardez. C'est où j'ai pris les premières photos là-haut. D'accord? Et il y a encore une petite fresque là-bas. Allez Vika, on avance? Elle c'est pareil, elle commence à y aller, s'est défoulée un peu là, commence à être au radar. C'est très bien. Je vais prendre des photos. Vous pouvez vous manifester devant. Je vais vous laisser une petite fleur, tiens. Déjà, ça va m'alléger un peu. Je vais faire cramer une petite bougie, vu qu'on a le droit. Par contre, il y a un peu d'eau, là. Faut faire attention. Allez, on va mettre déjà la fleur. Ça va me... un petit peu. Cette fleur, c'est pour tous les gens que j'aime. Pour la mettre, j'ai pas envie de gêner les gens. Je vais la mettre ici discrètement sur le côté, ça me va bien. Je vais faire cramer une petite bougie. J'ai presque envie de faire un petit plan fixe et puis l'intérieur est déjà vachement plus chargé là. Les bougies, elles sont dans mon sac à dos. Allez, on est parti. Je m'en rattache. Je prends mon sac à dos. Rien perdre. Donc je m'absente un peu. Et je vais revenir tout à l'heure. Quand il fera nuit. Est-ce que ça vous dérange?
continue un petit peu. Donc les escaliers sont par là. Je vais prendre une photo quand même. Il y a de l'eau en plus. Hein. Par contre, c'est entretenu, hein. C'est bien. Voilà. Pêche interdite, d'accord. Donc ça me concerne pas. Je commence, j'ai l'impression de voir des petits bouts de ruines. Par contre, je vais être tranquille. Ah, alors déjà, je vois un petit pont. Ce petit pont. Ah bah si, il est ruiné là aussi de toute façon. Bonjour. Avec l'eau à côté, c'est génial. Ah bah là aussi. Ah par contre, ils ont tout. Oh, je suis dedans, je peux rentrer quand même. Entrée interdite dans les ruines, risque d'éboulement. C'est un four à pain là-bas. C'est un... Bon, je vais me poser un peu, il y a des photos à faire. Tout est lié, tout est collé, c'est cool. Donc elle, j'ai déjà enlevé sa caméra. C'est grand. Donc je vais en fixer une par là. Comme ceci, c'est pas mal. Vika, tu fais n'importe quoi là. Hop. Je continue un petit peu parce que là il y a beaucoup de végétaux. Un petit pont, il est beau. Les amoureux. Ah oui, bah tout est là en fait, d'accord. Ok. Bonjour Vivi. C'est magnifique. Par contre, il y a l'eau derrière. Ça, c'est emmerdant. Donc, on va essayer de s'avancer un peu. Puis là, j'ai pas envie de faire. Il y a le plan d'eau à côté. J'ai pas envie de tester le drone. Je me suis fait chier à le trouver. Je me suis fait chier à le faire marcher aujourd'hui. Je vais même pas l'utiliser. Allez. Ça parasite un peu, mais c'est tellement beau. Écoutez. D'où l'expression avec des petits ruisseaux, on fait des grandes rivières. Il me semble avoir entendu lui. C'est vous ? Voilà. Là, je suis bien cadré. Allez, c'est bien. Donc, du coup. Là, il n'y a plus rien. On a été vérifié. Le problème, les amis, c'est qu'ici, il y a trop de branches partout, quoi. Et alors, j'ai un mal de chien à m'en servir, en plus. Communiquer avec moi, je vous conseille de le faire assez rapidement. Pouvez-vous me dire par exemple s'il y a une vie après la mort?
Ça me ferait vraiment plaisir. Vous répondiez à quelques questions comme ça. On est parti en mode nocturne. Il est... Je vais dire ça. Je suis toujours avec ma clope. Hein. Moins le quart. Donc moins le quart. Pendant 5 minutes, Vika a pas arrêté de regarder par là-bas. Donc on va aller faire un petit tour. Prendre 2-3 photos. Là c'est l'histoire de quelques minutes. C'est le moment que j'adore parce que c'est le moment où l'ambiance reprend vraiment. Enfin je veux dire c'est le moment que j'apprécie le plus. Où la nature va se coucher. Et le monde de l'invisible se réveille un petit peu.